douce, plutôt végétale. Ça va pas graisser du tout la peau, hein. Justement, ça va. L'huile de jojoba, elle est apaisante et cicatrisante. Donc c'est bien même pour les gens qui ont des petits, qui peuvent avoir la peau grasse. Mais c'est bien pour pouvoir lisser la peau. Ok, bah après ça va, enfin elle est pas trop sèche, donc du coup je peux le faire sans. Parfait. Bah, si tu sens qu'il y a des rougeurs, n'hésite pas à aller prendre une petite huile. Alors, l'huile de ricin, on dit l'huile de ricin. L'huile de ricin, pour moi, c'est plus pour faire pousser les cheveux ou les cils ou sourcils. Sur le visage, là s'arrête mon expertise, je ne sais pas. Je vais me renseigner. Pas Du coup, bah, si tu veux une moustache ou une barbe, je ne sais pas. Bon, pour tous les cas, Donc, on va commencer et on va commencer par fermer les yeux, avoir le dos bien droit, enrouler ses épaules en arrière et on va se concentrer sur sa respiration. On inspire par le nez et on expire par le nez. On relâche les mâchoires, on relâche les tempes, on relâche le front, on décolle sa langue de son palais. On inspire, on gonfle le ventre et on expire, on ramène le nombril à sa colonne vertébrale. On inspire, on gonfle bien le ventre, on crée de l'espace, on relâche les tensions dans les trapèzes, dans la nuque, dans les mâchoires encore une fois. On inspire et on expire. On va placer ses mains sur ses épaules en gardant les yeux fermés. Et là, on va enrouler ses épaules en arrière en ouvrant bien sa poitrine, en squeezant bien les omoplates derrière, comme si on voulait les faire toucher. On ouvre et on inspire, on ouvre bien devant et derrière. Et on inspire. Et on expire. On prend le temps. C'est peut-être les premiers mouvements de la journée pour vous. Donc, on prend le temps de bien ouvrir sa poitrine, d'abaisser les épaules. Et on expire. Encore une fois dans ce sens. Et on va faire pareil de l'autre côté. On inspire. On squeeze les épaules derrière, les omoplates derrière. Et on essaie d'amener ses coudes l'un vers l'autre. Et on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore deux fois en avant. On inspire. On prend le temps. Ça doit être agréable. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. OK. On va commencer par le travail du cou, de travailler ce muscle-là qui s'appelle le platysma et qui souvent a tendance à laisser la peau. Donc, on inspire, on va basculer la tête en arrière sans écraser ses cervicales. Les épaules sont bien basses, on bascule en arrière, on sent l'étirement dans le cou et là, on va pousser son menton vers le ciel. Sans engager aucun muscle n'est engagé, ni le front, ni les tempes, c'est juste, on pousse son menton comme si on voulait. On peut aussi, la prochaine fois, on va le faire, on inspire, on reste encore 5. 4, 3, 2, 1 et on expire, on revient. On va refaire le même mouvement et là tu vas enrouler tes dents avec ta lèvre inférieure, comme ceci. Et tu vas, le même mouvement d'inspire, donc là tu vas étirer encore plus et tu vas pousser ton menton vers le ciel en enroulant tes dents avec ta lèvre inférieure. Et c'est comme si tu voulais passer en fait. C'est comme si tu voulais faire une cuillère. Tu Ouais, veux et te du coup, passer. ça tire en dessous le menton, c'est ça? Voilà, ouais. Et on reste là encore 5, 4, 3, 2, 1 et on revient délicatement. Ça doit étirer tout là, tu dois sentir. Ouais, Et c'est on va marrant. faire la dernière. Ouais, jamais, donc du coup. Non. Bah non, on est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est top. Et on va faire une dernière fois. Et on va basculer sa tête en arrière et pointer sa langue vers le ciel. OK? Donc on inspire et tu vas voir, ça va travailler d'autres muscles, tu me diras lesquels. On inspire.
Et là, on pointe sa langue vers le ciel. Pendant 10, 7, 4, 1, et délicatement, tu reviens. Donc. Alors, du coup, ça fait là. Ouais. Et là. Et un peu là ou pas? Ouais. Après, ça dépend. Ouais. Moi, ça, c'est pas mal là, mais après, ici. Et évidemment, quand tu fais comme ça, il faut éviter de se aplatir les cervicales derrière. Mais c'est normal qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, ça peut être un peu moins, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais mes cervicales, mais juste, on essaie de ne pas aller trop en arrière, mais il faut qu'on sente l'étirement dans l'avant, du coup. OK? Donc, on va rester sur le même type d'exercice, toujours pour travailler l'ovale du visage et le cou. Et on va inspirer en place une main à la base du cou, en maintenant bien la peau, puis la main dessus. On est sur la poitrine, on inspire, on tourne la tête à droite ou à gauche. Et là, on va pousser pareil le menton devant ou on sort la langue, au choix. Et on reste pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on inspire, on revient. On fait pareil de l'autre côté. On inspire et en expirant, pousse sa tête à gauche ou à droite, à le côté opposé. Et on essaie de bien garder, essaie de bien garder ta tête parallèle. En fait, on n'est pas, ça c'est encore un autre, mais là c'est vraiment juste comme ça, pour bien sentir. Voilà, parfait. Et là, tu pousses ton menton. Et tu restes pendant 10. Le front n'est pas engagé. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on revient, on inspire. Et on refait ça encore une fois de chaque côté. En général, on répète trois fois les exercices. Dans les programmes, on répète trois fois les exercices. Mais là, on va les faire deux fois pour pouvoir en faire, pour avoir un peu plus. Là, ça me tire pas mal ici. Ouais, bah là, ça va travailler la structure de ton. Ça va la dessiner. Ok, bon, ça veut dire que je le fais bien du coup. Voilà. Mais il faut pas que ça fasse mal. Il faut que ça. C'est pas le but, c'est pas que ça stresse, parce que si t'as mal, tu vas stresser, tu vas serrer les dents. Il faut que tu sentes une tension, que ça travaille. Mais si c'est trop, ça sert à rien. C'est pas, on n'est pas là pour se dire non, faut que j'aille plus fort. Non, on n'est pas dans un cours de CrossFit. On est dans un cours de yoga, mais qui renforce justement. C'est un peu, enfin, yoga, c'est comme moi, ça m'a fait penser au début au Pilates où tu fais des exercices très lentement en conscience et tu ressors de là le lendemain, bah, tu ne marches plus parce que tu as des muscles qui se sont réveillés. Et moi, c'est un peu ça le yoga du visage que ça m'a fait au début. J'avais des petites courbatures et j'ai appris à ne pas vouloir pousser en me disant non, il faut absolument que je pousse comme ça. Ça ne sert à rien parce que ça traumatise, entre guillemets, ça stresse. Et le but, c'est que. On sait que le stress, ça réduit la production de collagène et d'élastine. Mmh. Et du coup, nous, on veut réduire ça pour que tu aies ton collagène et ton élastine naturelle qui fonctionnent. OK? Donc, on est parti. On inspire. On maintient bien la peau. Et on tourne la tête à droite ou à gauche. Et là, on pousse son menton ou sa langue parallèle au sol pendant 10, 9, 5, 2, et on revient délicatement. Et on fait pareil de l'autre côté. On inspire, on change de main. Et on tourne. Et on pousse. 10, 6, 2, et on revient délicatement. On peut faire des demi-cercles en arrière comme ça juste pour détendre la nuque. Et on revient délicatement. Ok, on va faire un exercice que j'adore, c'est l'exercice Waouh, qui permet d'oxygéner tout le visage, de relancer la circulation sanguine. Bah, je te mets dans le bas direct, comme ça, il ne faut pas avoir honte, en fait. C'est ce que je dis, parce qu'on me dit souvent, non, mais j'ose pas. J'étais la première à ne pas oser aussi. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça me faisait, je me suis
Donc, nous, on le fait devant, là, en ce moment, 170 personnes. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Et on peut le faire, cet exercice, sous la douche. On n'est pas obligé d'avoir des gens autour de nous. On peut, et moi, j'aime bien le vocaliser. Ça permet de relâcher les tensions et ça donne encore un meilleur bénéfice, en fait, à l'exercice. Donc, on inspire et on va faire waouh, waouh, waouh plusieurs fois. OK? On va le faire 10 fois d'ailleurs, 3 fois 10 fois. OK? Et là, je veux vraiment que tu ouvres la mâchoire comme ça et que le front ne fonctionne pas. Si tu as peur de faire fonctionner ton front, tu mets ta main sur ton front et tu fais waouh, waouh, Donc c'est vraiment waouh. OK? cette Donc ça, partie. non seulement ça va, ouais, c'est un peu, on va avoir, enfin, c'est vraiment mobiliser le bas du visage et de détendre les masséters et de travailler aussi, bah, ça va engager aussi le cou. OK? Donc on inspire, les épaules sont bien basses. Et on est parti. Waouh, waouh, waouh. Une fois. Waouh, waouh, waouh. Deux fois. Waouh, waouh, waouh. Trois fois. Waouh, waouh, waouh. Quatre fois. Waouh, waouh, waouh. Cinq fois. Et on relâche. Et juste observe s'il n'y a pas un peu de plus de chaleur dans le bas de ton visage. Normalement, ça doit faire un peu des vibrations. Et ça se réveille. Ok, on refait ça encore une fois. On inspire. Pas besoin de mettre ma main comme ça parce que je sens que ça bouge pas trop. Il n'y a que le bas qui bouge. Comme tu veux. Donc, on inspire et on est parti. Waouh, waouh, waouh. Une fois. Waouh, waouh, waouh. Deux fois. Waouh, waouh, waouh. Trois fois. Waouh, waouh, waouh. Quatre fois. Waouh, waouh, waouh. Cinq fois. Et on ferme les yeux. Ça doit commencer à chauffer autour de la bouche et au niveau des mâchoires. Ça réveille partout ici, là. Ah ouais. Et je vois qu'il y a des gens qui disent que ça craque. Ouais. Souvent, si on a l'habitude de squeezer bien les dents ensemble, la nuit, du bruxisme, eh ben, ça craque, mais c'est bon signe. Vous n'allez pas vous décrocher la mâchoire, ne vous inquiétez pas. Donc, après, il y a d'autres exercices pour détendre la mâchoire, mais là, on va monter un petit peu, on va travailler les joues. En fait, on va travailler cette partie-là des joues, travailler les zygomatiques, mais à ce niveau-là. Et parce que souvent, quand on sourit, en fait, on veut pas ne plus avoir de rides d'expression. C'est important, les rides d'expression. Les petites rides là autour des yeux, c'est sympa. Mais en fait, souvent, on sourit, on est comme ça. Et du coup, ça crée des petites ridules là. Et on peut changer cette manière de sourire tout en gardant un sourire naturel et on peut juste sourire comme ceci. Tu vois, c'est différent d'être comme ça ou d'utiliser. Donc, on n'utilise pas exactement ça là. Et le rhizorus qui est ce muscle-là. Et donc, et souvent, bah, ce qui nous amène à sourire, c'est aussi parce qu'on a les pommettes qui tombent un peu. Donc, on va les remonter. Et donc, pour les remonter, on va sourire. En fait, au début, non. Oui, si, on va sourire. On va enrouler ses dents avec la lèvre du bas. Donc, on a l'air très intelligent. Voilà. Et là, on essaye au moins de montrer 8 dents. Donc, 4 et 4. OK? Et donc, déjà, là, ça fait travailler ça. Essaye de sourire. On sourit. OK? Et là, donc, c'est la première étape de l'exercice. On peut rester là 10 secondes. On reste. Ce que je te propose, c'est qu'on aille un peu plus loin pour engager un peu plus cette partie-là. Et donc, on reprend la même position, on inspire. Et là, on va essayer de toucher son nez avec sa langue. Et là, ça travaille là. Tout là et ici. Et là, on va tapoter pour bien envoyer le message au cerveau qu'on travaille par là. OK? Et on reste 10 secondes. 10. 5. Et on relâche. Ah ouais. Ouais. Et aussi le fait de remonter les pommettes, ça permet d'éviter d'avoir ces petites rides nasolabiales. OK? C'est ça. D'ailleurs, on va continuer, on va refaire cet exercice. Donc,
On peut aussi rentrer dans la posture comme ça. On inspire, on enroule ses dents avec ses lèvres, on fait O. Et là, on va faire OA. Voilà. Donc, c'est bien aussi déjà de vocaliser. C'est important de OA. Donc là, on a nos petites dents et on sort la langue. Et on peut même bouger la langue de droite à gauche. Et on va bouger de droite à gauche pendant 10 secondes. Cinq, deux, un, et on relâche. Ah, c'est super dur par contre comme exercice. Ah ouais, bah ça joue bien, même moi ça joue bien, tu vois. Mais ça permet, toi, d'avoir un visage qui est sculpté, ça sculpte les joues. Ok. Oh, alors on va continuer, on va continuer. On va travailler toujours pareil. On va rester autour du sourire. Et on va travailler donc non seulement ces petites rides-là, et toujours pareil, les joues ici. Donc tu vas gonfler une joue, peu importe. Oula. Non mais genre tu gonfles les deux. Et gonfle que d'un côté. Oui, c'est de dire, oula, mais si tu sais faire, tu sais faire, tu l'as fait, t'as été une petite fille, t'as bien. Allez. Non, mais en fait, il faut partir des deux joues pour après aller sur une joue, parce que sinon. Bah, tu sais que. Pour ça, Mais. tu gonfles les deux. Et après, tu gonfles que d'un côté. OK? Et regarde, quand tu fais ça, là, il y a des petites rides qui se créent là. Donc, on ne veut pas ça. Donc, tu gonfles et tu viens étirer avec ta main. Délicatement, tu remontes, enfin, tu vois, on est délicat. Et avec la main, on va mettre le doigt ou deux doigts sur la joue où tu veux gonfler et tu vas gonfler contre tes doigts. Voilà. Donc ça va travailler le buccinateur qui est le muscle à l'intérieur des joues. Et ça va retendre les joues. OK? Pas mal, hein? Ah, on dirait pas comme ça. Hein. On se dit, ah, je vais faire du yoga du visage, c'est cool. Voilà. OK? Donc, on le fait. Allez. Donc, on gonfle. On maintient. Pour éviter d'avoir des petites ridules ici. Et on est parti 10 fois. 10. 5. Et on relâche. Alors, c'est pas ton doigt qui. En gros, ton doigt, il bouge pas. Ok. Et c'est Ah, plus c'est. que tu gonfles ta joue contre. D'accord. C'est une action contraire. C'est pour engager le muscle un peu plus, sans le sursolliciter. Ok. C'est des forces contraires. À chaque fois, j'oublie. C'est horrible. Je parle français, mais comme j'ai tout appris en anglais, apparemment, j'ai les mots en anglais. Je dis, ah non, tu peux pas. Tu peux Anglais. pas. Mais parce que toutes les formations, bah, déjà je Ouais. viens en Australie, donc je parle Mais anglais. le mot que tu cherches en français, en anglais, c'est quoi? Alors attends, du coup, maintenant je l'ai plus. En gros, c'est. Bah non, écoute, je ne l'ai plus. Non, mais c'est. Ah, bon, ça va me revenir. Ah, bon, ouais, c'est pas très grave, ça va me revenir. On va le faire de l'autre côté. Donc en gros. Ah, mais en plus, tu sais, quand tu vois le mot passer devant toi, mais tu. Non. Ok, bon, ça va, je l'ai sur le bout de la langue. Voilà, c'est merci de la. C'est. On crée de la résistance. Oui, non, mais bon, merci. Bah, merci, c'est énergie musculaire. Parfait, merci beaucoup. Mais oui, Pense contraire, c'est non, ça. mais je pense contraire, voilà. Mais voilà, exactement. Bon. On fait de l'autre côté, du coup, maintenant que j'ai la. On m'a donné des cours. Merci, antagoniste. En plus, je voulais te proposer ce mot et je me suis dit, bah si elle l'a en anglais, c'est pareil en français. Du coup, je me suis Non, dit, mais je vais. en fait, c'est un autre mot, mais du coup, quand je me fais en anglais, j'ai un autre. Bon, bref, Pas on va antagoniste. pas. On n'est que lundi. Bon, ça va bien se passer. Alors, on gonfle l'autre. Gonfle l'autre. On place son doigt. Merci, Chantal. Et
On met son doigt et on vient gonfler. Si c'est trop pointu son doigt, on peut mettre deux. Mais évidemment, c'est l'idée de créer une force opposée, contraire, et de créer une résistance pour que le muscle s'engage, mais de manière douce. Enfin, tu vois. Du coup, ok, on est parti. 10. 5. 1 et on relâche. Ça doit commencer à bien chauffer ici. Voilà, j'ai Si mis. ça chauffe un peu trop, on peut utiliser ses poings et commencer à masser. Ça, c'est hyper. Parce que du coup, moi, j'aime bien m'attarder aux mâchoires sur les mâchoires, bon, parce que c'était aussi mon souci de base. Mais je sais que les mâchoires, à partir du moment où tu les détends, bah, tout est interconnecté ici. Du coup, tu vas détendre aussi toute cette partie-là, le front, les yeux. Donc là, on masse, on froisse le muscle. Pourquoi tu fais Pardon? avec... Pourquoi tu fais du coup avec cette partie plutôt qu'avec tes doigts? Bah, j'ai une meilleure prise et Ok. du coup, c'est un peu plus, c'est moins agressif que tu peux faire avec les doigts, mais je trouve que, tu vois, moi j'appuie, mais j'ai pas la même force et le côté où, tu sais, l'appui plein comme ça. Et je Ouais. sens bien qu'avec mes phalanges, ça détend bien. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Ça fait même des tensions dans la colonne vertébrale. Ah, c'est assez. Il y a ça, et puis après, à la fin, on va terminer par un exercice où tu te masses le crâne. C'est. Oh là là, génial. On relâche. On va continuer à monter. Et là, on va travailler sous les yeux, ici. Et on va faire comme si on faisait des petites pompes avec les paupières du bas. OK. L'idée, c'est de renforcer donc ce muscle-là, l'orbicularis oculi, qui est tout rond comme ça. Et souvent, bah, c'est pareil, si on a des creux aussi, c'est parce que bah, le muscle, il n'est pas gonflé, il n'est pas oxygéné, il a pas, il est, tu vois, c'est comme, comment dire, bah, quand tu fais des squats, ton fessier se bombe, bah, c'est un peu pareil, ou quand tu fais des triceps, des biceps, pardon, Ouais. ça gonfle. Et donc, on va faire pareil avec ici. Du coup, ça va non seulement activer la lymphe, activer la circulation sanguine, sous les yeux ici. Et on va faire comme si on faisait des petites pompes avec les paupières du bas. OK. L'idée, c'est de renforcer donc ce muscle-là, l'orbicularis oculi, qui est tout rond comme ça. Et souvent, bah, c'est pareil, si on a des creux aussi, c'est parce que bah, le muscle, il n'est pas gonflé, il n'est pas oxygéné, il a pas. Il est, tu vois, c'est comme, comment dire, bah, quand tu fais des squats, ton fessier se bombe, bah, c'est un peu pareil, ou quand tu fais des triceps, des biceps, pardon, Ouais. ça gonfle. Et donc, on va faire pareil avec ici. Du coup, ça va non seulement activer la lymphe, activer la circulation sanguine, et ça va permettre de drainer. Donc, on va enrouler nos dents avec nos lèvres, haut. Et dans un premier temps, c'est le big O. On va simplement enrouler comme ça et faire les gros yeux et regarder vers le ciel. Sans engager le front. Oh. Et on peut faire O. Oh. Donc là, tu sens l'étirement sur tout le devant du visage. Et tu peux basculer un peu en arrière. Et donc ça, c'est la première étape. Donc déjà, ça engage pas mal. Est-ce que tu sens quelque chose? Ok, tu peux redescendre, tu peux revenir. On va faire. Ouais, voilà. Bah, on va faire le même mouvement et on va essayer. Alors, moi, j'aime bien mettre mes index ici, juste en dessous des cernes, et glisser très légèrement la peau vers le bas. Très légèrement. Et tu vois, simplement essayer de soulever que la paupière du bas. Ah oui, d'accord. C'est un peu. Donc, si c'est compliqué comme ça, le fait de faire comme ceci, enrouler, basculer la tête en arrière, ça aide en fait, quand tu as la tête en arrière, de soulever comme si tu essayais. Tu sais, tu avais soit une poussière dans l'œil ou tu as du mal à voir. Ouais, c'est ça, en fait, on plisse les yeux. Voilà, sauf que on maintient ici, toujours Ouais. pareil, pour mettre une force contraire, antagoniste.
Et pour éviter de faire de créer des traumas ici, on maintient et on soulève comme ceci. Et là, on va répéter ça, on va faire comme si on faisait une dizaine de pompes ou une dizaine de triceps. Okay? Je sais que ce n'est pas évident. Si, alors, cet exercice, on peut aussi en faire un autre, mais on va essayer de le faire quand même. Donc, soit tu mets tes doigts comme ça, soit tu places tes index, tu enroules tes dents avec ta bouche et tu viens soulever 10 fois, 10, 4. Et tu relâches. C'est pas évident. C'est bien, tu te sens bien. On refait encore une dernière fois. Alors d'ailleurs, non, on va faire un autre parce que celui-là, si on n'arrive pas à le faire, donc là, c'est bien de le faire 3 fois, 10 fois. On va faire Ok. la chouette. On place ses doigts autour des yeux. On inspire et on vient ouvrir comme ceci. Et donc là, on Voilà. tient haut. On tient la peau et on maintient bien le muscle et la peau. Et là, tu vas fermer tes yeux très fort en maintenant bien et tu squeezes et là donc on travaille non seulement la paupière du haut mais la paupière du bas et mais quand tu maintiens du coup c'est pareil tu crées une force contraire pour mettre de la résistance et engager le muscle Ah ouais, c'est super dur. ouais. Ok C'est on va comme les abdos qu'on a fait dans notre vie. On a le ventre qui tremble. Bah là, on a les yeux qui tremblent en fait. Ah mais oui, mais tu vois, t'es pas obligé de faire. Enfin, faut pas que ça soit hyper. Faut pas que ça Facile. fasse mal ou que ça soit dur. C'est juste, tu maintiens, hop. Et là, vraiment, tu fermes comme si t'avais une poussière dans l'œil, quoi. C'est oh. Mais sauf que tu tiens. Et tu fais ça 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Ok, tu mets tes doigts, tes index et majeurs comme ceci et tu viens lisser ici, dans l'autre sens. Tourne tes mains, voilà, parfait. Et tu étires. Tu exerces une pression ferme mais délicate et tu inspires et tu expires jusqu'aux tempes. Et tu relâches la tension. Tu draines, tu actives le collagène et l'élastine. Ah, ça c'est génial ça. À ça, pour s'endormir, c'est hyper bien. Et d'ailleurs, le même mouvement, on peut le faire ici, comme ceci. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois. Donc, c'est bien, toi, c'est là où la petite huile peut Ouais. être. Tu contournes bien, là, tu es sur la mâchoire. Ah, voilà, parfait. On inspire et on expire. OK. Alors, on va travailler la ride du lion. La ride où en ce moment on l'a pas mal, puisque je pense qu'on doit froncer pas mal les sourcils et on s'en rend pas compte. En fait, tu vois, c'est ça, c'est le yoga, ça t'aide aussi à te rendre compte que des muscles tu contractes inconsciemment. Et souvent, quand tu es au télé, tu sais, les habitudes que tu peux avoir quand tu es au téléphone, tu es comme ça, ou tu mâchonnes un truc, ou tu es là, ou tu sais, ou souvent t'as le visage où tu fais la tête, ou on ne sait pas, enfin bref, importe une émotion que tu es en train de digérer qui se voit sur ton visage. Donc, ça t'apprend à toi tout de suite à avoir conscience, hein, ah oui, non, là, non, je sers quelque chose. Ou... Donc, on continue, on va travailler donc cette petite ride du lion. Donc, ici, tu as un muscle qui s'appelle le frontalis, et ici, c'est le procérus. OK. Ils sont reliés. Donc, dans un premier temps, c'est de détendre le frontalis. Donc, on va placer nos deux doigts comme ceci, au milieu du front, et on va glisser vers l'extérieur, comme ceci. On va maintenir. Et là, tu vas essayer de monter tes sourcils comme si tu étais étonné. Sauf que tu es bloqué. OK? Essaye D'accord. de encore plus bloquer ta peau. Rien ne bouge. Et tu soulèves 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu relâches. Et là, tout de suite, tu viens lisser comme ceci dans le sens des rides pour détendre, comme si tu voulais ratisser. Et tu lisses. Et ça, c'est hyper bien aussi pour
fait du bien au moral. Juste de c'est très bête, mais c'est hyper efficace. Ça détend. Et tu vois, là, je te secoue. Et on va faire l'arrêt du lion. Donc, l'arrêt du lion, c'est un peu. Il faut. Regarde bien comment je fais. En gros, tu vas étirer ici, toi, vers, de chaque côté. Déjà, on va commencer. Tu vas mettre tes deux doigts, tu vas lisser avec ton index et ton majeur et tu maintiens comme si tu étais botoxé vers le haut. Et là, tu vas essayer de froncer. Est-ce que tu vois le mon front là? C'est très délicat, enfin c'est très. On ne voit pas trop, mais t'essayes de froncer, sauf que évidemment, tu maintiens la peau et le muscle, donc c'est un peu compliqué. Mais tu tiens. Et pas de tension dans la nuque. Je te vois là. Non, détends, on détend l'image. On maintient bien. Et on vient engager le muscle. On fait ça une dizaine de fois. Et on relâche. C'est un muscle Et qui on est difficile va. à travailler. Je pense qu'on travaille. Pardon. Si c'est un muscle qui est difficile à travailler, je pense qu'on ne travaille pas souvent et du coup, celui du front. Ou alors on Ouais, ben. travaille. On contracte, mais pas forcément dans les bonnes. Tu vois, on est. C'est pas, entre guillemets, les bonnes expressions. C'est-à-dire qu'on lui met du stress alors que. Toi, après les rides d'expression quand tu souris, faut pas avoir peur en fait de bouger cette partie-là. Souvent, toi, on met du botox ici, ton front il bouge plus. Mais si ton front il bouge plus, il fait quoi? Il tombe. Du coup, t'as quoi? Du coup, il faut te mettre quelque chose dans les paupières ou te relever les paupières. Enfin, tu vois, après, t'as tout qui. Donc, justement, c'est de là, le bouger pour le remonter. Et du coup, t'as tout qui remonte, tout est à l'intérieur. Et après, t'as même. Temporalis, le muscle là qui est relié dans la tête derrière, qu'on peut travailler, d'ailleurs qu'on va travailler tout à l'heure, et qui aide à lifter tout ça. Enfin, donc, tu vois, c'est hyper important de le bouger, de ne pas le laisser tomber le front en disant non, non, je ne veux pas de rides sur le front. Oui, si tu n'as pas de rides sur le front, en fait, tu vas avoir des voilà, tout qui tombe. Forcément. Nous, on veut que ça aille par là. Donc, on va. Donc, la petite ride du lion. Celle-là. Donc, c'est le même principe. On maintient, sauf qu'on est plus près. Et là, avec l'index ou le majeur, on va tenir vers le haut. Ici. On essaie de ne pas faire de ride aussi au-dessus. Et là, on va, pareil, essayer de foncer, faire travailler le. Sauf que là, on maintient sur le côté et en haut. Donc, il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est comme si tu voulais foncer vraiment. Fonce, fonce. Et tu relâches. Et là, tout de suite, avec ton index, tu viens lisser délicatement. Alors ça aussi, c'est hyper. Ça détend, ça calme. Tu sens bien que tu lisses. C'est très délicat. Là, on est vraiment sur un petit moment de détente et de plaisir. On inspire et on expire. Et on va. Travailler juste, on va terminer. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Bon, si, d'ailleurs, on va terminer. On va lisser, on va enlever le côté un peu puffy des yeux, dégonflé. Donc, on va partir du coin externe. Délicatement, on va lisser vers l'intérieur. Remonter. Ici, on appuie un peu plus fortement sur les paupières. Du haut, puis de l'intérieur vers l'extérieur délicatement. Et on vient drainer jusqu'aux tempes. Et là, comme on est en train de bouger les liquides et de drainer, on n'oublie pas de bien faire sortir toutes les toxines par la lymphe et de les amener jusqu'aux clavicules. Ok, ça c'est un truc à répéter. Le matin, tu vois, ça permet vraiment de dégonfler tout le haut de ton visage. Donc on refait, on inspire, on vient lisser vers l'intérieur. Lever un peu plus, ouvrir. Puis de l'intérieur vers l'extérieur. Délicat, c'est vraiment très très délicat. Et là, on vient lisser jusque dans les clavicules. Et on peut pomper peut-être un petit peu. Ça, c'est un peu, voilà, c'est pour ça que je dis aussi de bien s'hydrater, parce qu'on fait bouger la lymphe, on fait bouger
l'eau qui est, peut être stagnante surtout autour des yeux. C'est ça qui provoque le côté bleu ou noir, ou enfin voilà, le côté sous les yeux un peu lourd aussi. Et le fait de drainer, ça c'est comme tu draines, tu ne la laisses pas là, hein, Tu la descends. descends, tu la fais drainer. Donc c'est bien de boire après pour nettoyer. Ok. Ok, on va faire un dernier exercice. D'ailleurs, deux. J'avais dit qu'on travaillerait le temporalis. Alors, le temporalis. Ah oui, comme tu veux. Alors, le temporalis, en gros, on va enrouler ses dents avec ses lèvres, basculer la tête en arrière. Et là, en fait, on va faire ouah, 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 en essayant de ramener ses oreilles derrière. Tu vois, tu peux mettre tes mains ici, en support. Et essayer de. Voilà. Et d'essayer comme si tu tirais tout ton visage avec ton crâne. C'est subtil, mais une fois que tu l'as, enfin, c'est comme si tu bâillais. Ah, ouah, ouah. Et c'est tout ça qui remonte. Ouah, ouah, ouah. OK? Et c'est bien de faire ouah, 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 parce que ça. Ça aide. Et c'est normal, oui, qu'il y ait des petits boutons qui me remontent sur le visage, surtout en ce moment. On a beaucoup de stress oxydatif, pardon, et aussi le yoga du visage, le fait de bouger son visage et de drainer, ça fait sortir par les pores ce qui était accumulé sous la peau. Donc c'est normal, tout va bien. J'en fais les frais aussi de temps en temps, donc c'est tout va bien, tout le monde est stressé. Les hormones jouent. Donc, on va terminer par, on va se gratter le crâne comme ceci. On essaye, on active la circulation sanguine. C'est hyper bon pour les cheveux, pour les tonifier. On n'hésite pas à y aller avec ses petits doigts. Et on vient terminer en tapotant. On tape, alors ça vient du poignet comme ça. Moi, j'adore faire cet exercice comme ça. On tape, on tape, on tape. On inspire, on peut tapoter aussi sur son. Plus délicatement, hein, sur le front, partout sur le visage, on active le collagène, sur les mâchoires ici, le cou, et on vient dans le derrière, là, les cervicales, l'arrière du cou, on tapote. C'est toujours bien, en fait, après une petite session de yoga du visage, d'aller drainer. Donc, que ça soit en tapping comme ça ou du massage avec des grands mouvements comme ceci, on draine, Ça sert à d'amener de la détente. unifier. Comme quand tu fais du sport, après tu t'étires. C'est un peu le même principe. Donc voilà. Voilà pour la petite session.